voulais pas que ça se passe comme ça. Et mon avis à moi. Je m'appelle Sophie Tite, j'ai 17 ans, je viens Haute-Savoie et je travaille en tant que chanteuse. Mais en fait, à côté de ça, je suis toujours au lycée, donc je fais un petit peu les deux. Et donc j'ai sorti mon deuxième album qui s'appelle J'aime ça. Dedans, il y a un peu tout sur la vie d'une fille de mon âge, en fait. J'avais vraiment envie que ça représente ma vie en ce moment et celle, au final, de n'importe quel adolescent. Ça se ressent pas mal dans l'album et c'est exactement ce que je voulais. Chacun ses petits bonheurs et on regrettera rien maintenant qu'on est loin. C'est vrai que je le considère comme mon premier album parce que c'est très personnel comparé au vrai premier. C'est vraiment très... ça me représente vraiment à 100%, quoi. Qu'on est sûr de rien. J'aime ça, c'est assez global en fait. Ça représente un petit peu mon état d'esprit. En ce moment, je suis hyper, hyper contente de ce que je fais. Et voilà, en lisant le titre, j'aime ça, forcément, ça peut que donner envie. Enfant d'ailleurs.